on aborde tous les aspects, toutes les formes de handicap, sauf enfin, dans le sens commun. Comme je dis toujours, l'OMS définit le handicap selon trois critères, physique, mental. Ce qu'on ignore, c'est qu'ils prennent en considération le handicap social. Moi, je me permets de rajouter personnellement le handicap affectif, et on a tous les maux de l'être humain en dehors des accidents de la vie. Et bon, donc le handicap social, on l'écarte parce qu'il y a déjà suffisamment à faire sur la définition commune du mot handicap avec le handicap physique et le handicap mental. Cette année-ci, on a 7 longs métrages, plus le film presque en ouverture, et qui paradoxalement, cette année-ci, sont tous des documentaires. On n'a pas retenu, on n'a pas eu énormément de candidatures en long métrage de fiction. Et ceux qu'on a eus, on ne les estimait pas suffisamment intéressants, tout simplement. Soit parce qu'ils dressaient un portrait un peu grossier du handicap, un peu cliché, ce genre de choses. En avant-première, on aura le long-métrage presque, réalisé par Bernard Campan, des Inconnus, et Alexandre Jolien, qui est ce philosophe, un film moteur cérébral, qui est un homme remarquable dans ses écrits, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans sa réflexion sur l'humain et sur la finitude de l'être humain. Et c'est un long métrage absolument génial. Chaque année, on reçoit des films sur la vie affective et sexuelle de la personne handicapée, qui est un sujet emblématique parce que je pense qu'à un moment où on accepte de prendre en considération la vie affective et sexuelle de la personne handicapée, on va jusqu'au bout de la reconnaissance de l'humanité de quelqu'un. Une particularité, c'est en termes de court-métrage, on a quelques films qui traitent du vécu des familles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On a décidé de donner la parole à monsieur et madame tout le monde, dans la mesure où nous ne retenons que des films professionnels qui allient qualité et du sujet et qualité de la forme. Et on s'est dit, c'est dommage, parce que parfois on reçoit des films comme ça, mais qu'on ne retient pas, justement. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer à monsieur et madame tout le monde de donner sa propre définition du handicap, selon son propre regard, et donc de réaliser un film de 2 minutes avec un smartphone. Et donc on a reçu pas mal de films, et on en a retenu 15, et voilà, ça va être des films parfois maladroits, mais qui donnent la parole à monsieur et madame tout le monde, parfois de manière assez remarquable. Il y a certains films qui sont presque professionnels dans leur forme, d'autres absolument pas, mais chacun peut s'exprimer sur le sujet, et on a trouvé ça intéressant. Je n'étais jamais allée en Laponie, je n'avais encore jamais affronté le froid du Grand Nord. C'est l'animal du Père Noël. Ouais. Le fait de mettre ses combinaisons pour s'enfoncer dans la neige, c'est quelque chose, ça c'est une expérience unique. On a quand même un moyen métrage qu'on a retenu, belge. Et c'est aussi un paradoxe, c'est Aito Harmonia, qui est un film qui raconte l'expédition d'un groupe de jeunes porteurs de handicap mental pour une aventure humaine en Laponie. C'est de la même manière que je m'adresse au grand public en disant « Venez découvrir ça, venez découvrir le parcours de résilience de tas de gens, ou de non-résilience. » Tous les films ne sont pas avec un happy end, loin s'en faut. Mais venez découvrir comment des gens se battent contre leurs obstacles de la vie. Et c'est ça qui est génial aussi, parce que quand les spectateurs sortent de nos séances ou de notre festival, ils sortent en relativisant très fort leurs propres petits soucis personnels. Et donc, c'est aussi vrai pour les personnes porteuses de handicap. Voilà, il y aura un paquet, il y a 83 séances durant l'ensemble du festival avec les délocalisés. Il y aura les spectacles, il y aura les concerts, il va y avoir un concert de Lou à la demande générale. Et il y aura le spectacle de Valentin qui est à Rennes à ne pas rater, la conférence de Joseph, la rencontre avec Abdelli. Et en fonction du centre d'intérêt, les courts-métrages sont proposés soit par genre, court-métrage de fiction, court-métrage documentaire ou court-métrage d'animation, soit par thématique. Et là, souvent, alors, effectivement, c'est la trisomie, la cécité, la surdité, etc. Et donc, en fonction de votre centre d'intérêt, vous pouvez soit vous laisser promener à travers toute forme de handicap dans les séances de court-métrage habituelles, soit par thématique. Les
cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.